En venant aujourd'hui à ce culte, nous avons répondu à l'appel, comme chaque dimanche, à l'appel de notre Seigneur, où il nous invite à nous nourrir de sa parole et à ressentir au fond de notre cœur sa douceur et son amour. Douceur et amour qui sont quelque part le moteur de notre joie en tant que chrétien. Alors, ce que je vous propose, c'est de respirer tranquillement un tout petit instant, parce que nous nourrir de la parole de notre Seigneur nous demande aussi de prendre un grand bol d'air. Plus exactement, un moment de respiration qui amène le calme et la sérénité afin de nous débarrasser un peu de tous les tracas, de tous les stress que nous avons pu connaître au cours de cette semaine. Alors, je vous propose, pour ce moment d'invocation, de débuter ce culte par un moment de prière, si vous voulez bien. Seigneur, nous sommes ici réunis en ta présence pour nous nourrir de ta parole, pour te célébrer et pour te louer. Puisses-tu nous permettre de rendre notre esprit libre de toute préoccupation, de nous accorder ce temps de calme et de sérénité, afin de mieux nous ressourcer en ta présence et d'ouvrir nos cœurs, non pas vis-à-vis d'un cercle restreint de personnes qui nous ressembleraient, mais bien vis-à-vis de tous tes enfants qui ont foi en toi, ainsi que de tous ceux qui te recherchent ou ne t'auraient pas encore trouvé. Amen. Et je vous propose de porter notre louange avec le chant « Seigneur, nous venons vers toi ».
Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me met au repos sur de verts pâturages. Il me conduit au calme près de l'eau. Qui n'a jamais entendu ces célèbres versets qui sont issus du psaume 23? Ce sont les versets 1 et 2. Et le psaume 23 est certainement un des plus connus attribué au roi David. On connaît aussi ces versets célèbres « Lorsque je traverse la vallée de l'ombre et de la mort », etc. Mais je voudrais surtout mettre l'accent sur ces versets parce que on peut les lire un petit peu comme le fait de suivre le berger nous apporte une certaine calme, un certain calme, une sérénité, un repos, une sécurité. Et c'est bien vrai. Mais aussi, et c'est ça qui fait toute la richesse des Écritures, on peut relire ces versets, et surtout le verset 2, à la lumière de la façon dont nous recevons le message. Et je vous propose de relire ce verset qui nous dit « Il me met au repos sur de verts pâturages. Il me conduit au calme près de l'eau. » En effet, lorsqu'un berger veut nourrir ses brebis, il agit, et ça nous le savons relativement peu, mais il agit toujours obligatoirement en deux temps. Dans le premier temps, il laisse ses brebis, il les emmène, il les laisse se nourrir et brouter la nourriture, trouver les végétaux qui vont servir à leur alimentation. Et ces brebis vont rentrer dans un temps de grande activité. Elles vont parcourir tout le terrain où elles vont trouver ce qu'elles veulent trouver comme aliment et elles vont monter des talus, elles vont monter sur des talus, elles vont courir à gauche et à droite pour s'écarter un peu du troupeau pour pouvoir capter ces végétaux. Et même pour avoir eu une petite bergerie en face de chez moi avant, elles vont aussi se dresser sur leurs pattes arrière, elles vont prendre appui sur les arbres pour essayer d'attraper les feuilles qui se trouvent à leur portée, etc. Donc pour elles, c'est un moment d'intense activité à la recherche de cette nourriture. Mais cela ne suffit pas pour les nourrir. En réalité, le berger doit immédiatement passer à une deuxième étape. Et cette deuxième étape, c'est de leur accorder un temps de repos. Il va les conduire dans un pâturage, on pourrait dire dans un vert pâturage, où elles seront totalement en sécurité, en dehors du stress, et où elles pourront s'allonger et se coucher sur l'herbe. Alors s'il les laisse se reposer, c'est pas simplement pour se calmer de l'effort physique ou de récupérer de l'effort physique qu'elles ont fait antérieurement, c'est parce qu'elles sont simplement incapables de digérer et d'assimiler leur nourriture sans entrer dans cette phase de repos complet. Et ça va leur permettre aussi de ruminer doucement tous les aliments qu'elles ont pris auparavant. Et il en va de même pour nous aussi lorsque nous sommes en face du message de notre Seigneur. Durant toute la semaine, nous avons vécu dans l'agitation, le stress, le bruit continuel, et nous avons peut-être picoré à gauche et à droite différents éléments de notre nourriture spirituelle. Parfois, nous avons adressé des prières, parfois nous avons pris notre Bible lorsque nous n'avons pas été entraînés dans une planification de choses à faire vraiment importantes. Peut-être que nous avions du bruit autour de nous, pour ceux qui sont peut-être du côté de Recours avec le Festival des Ardentes, ils savent très bien de quoi je veux parler, ou c'était la tondeuse à gazon du voisin, ou c'était peut-être les barbecues, le bruit de la circulation. La liste est presque illimitée, sans parler de l'aspect technologique de nos smartphones, des call centers qui vont nous appeler. Et donc, nous avons voulu prendre cette nourriture spirituelle, nous l'avons picorée. Mais notre berger sait très bien qu'après avoir picoré sa nourriture spirituelle, il est nécessaire aussi, pour nous, de nous conduire, nous aussi ses brebis, dans un vert pâturage pour nous mettre au repos et pour pouvoir assimiler le message, le méditer et rentrer en résonance avec lui. Et ce vert pâturage, chers frères et sœurs, ce n'est autre que l'Église, ce n'est autre qu'aussi cette Église qui nous permet enfin de jouir pleinement de l'enseignement de notre Seigneur, où nous pouvons nous immerger totalement dans cette relation unique avec lui, qui est celle que nous établissons chaque dimanche ici avec lui. Et je vous propose de remercier notre Seigneur pour ce cadeau et pour qu'il nous offre la possibilité d'être ici
et de rentrer dans sa maison chaque semaine par une prière. Seigneur, je viens à toi pour te remercier de prendre soin de moi, de me permettre de rejoindre chaque semaine ton Église, ce vert pâturage où tu combles mes besoins spirituels les plus profonds et ainsi me donner la possibilité de vivre en plénitude avec toi. Lorsque je suis fatigué, tu me donnes ici même l'énergie de poursuivre mes efforts. Merci de m'extraire avec douceur de ce monde chaotique qui recherche en vain ses propres points de repère, en m'accordant ici la paix au milieu des épreuves. Seigneur, dans ce monde en quête de sens, nous te remercions de pouvoir nous ancrer à toi, ici dans cette Église, et vivre cette relation épanouissante avec toi, basée sur l'amour et l'amour de notre prochain. Au nom de Jésus, amen. Je vous propose de continuer notre temps de louange avec un chant, Mon encre et ma voile, vous le connaissez bien, n'hésitez pas à chanter en même temps, voici Mon encre et ma voile. Je voudrais partager aujourd'hui une confession de foi qui est très spéciale. Il s'agit de la confession de foi qui a été proclamée par Martin Luther, donc un des grands pères, pour ne pas dire le père fondateur de l'Église réformée. Et c'est une confession de foi qu'il a proclamée en 1529. Alors il y a deux façons de la communiquer. La première, c'est par un langage actuel avec les mots d'aujourd'hui. Mais j'ai pris un peu le parti pris de vous la présenter avec les mots tels qu'il fut dit par Martin Luther, il y a donc maintenant 493 ans d'ici. Et pourquoi choisir cela, même si le langage va
nous paraître un peu datés, un peu vieillots, avec des expressions que nous n'utilisons plus nécessairement, évidemment, avec plus de 400 ans d'écart. C'est simplement parce que cette confession de foi nous rappelle ô combien l'Église réformée est restée fidèle aussi aux déclarations et aux valeurs des pères fondateurs. On ne s'en rend plus compte en tant que tel, mais c'est très important de se dire que nous avons aussi un socle important et solide avec les pères fondateurs. Et je vous propose cette déclaration de foi de Martin Luther et puissions faire nôtre ces paroles. Je crois que Dieu m'a créé, ainsi que toutes les autres créatures. Il m'a donné et me conserve mon corps avec ses membres, mon esprit avec ses facultés. Il me donne chaque jour la nourriture, le vêtement, la demeure et toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie. Il me protège dans tous les dangers, me préserve et me délivre de tout mal. Tout cela sans que j'en sois digne, par sa pure bonté et sa miséricorde paternelle. C'est ce que je crois fermement. Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est mon Seigneur. Il m'a racheté, moi, perdu et condamné, en me délivrant du péché, de la mort et de la puissance du malin, non à prix d'or ou d'argent, mais par son sang, par ses souffrances et par sa mort innocente, afin que je lui appartienne pour toujours et que je vive d'une vie nouvelle, comme lui-même, qui ressuscité des morts, vit et règne éternellement. C'est ce que je crois fermement. Je crois que le Saint-Esprit m'appelle par l'Évangile, m'éclaire de ses dons et me sanctifie, qu'il me maintient en l'unité de la vraie foi dans l'Église qu'il assemble de jour en jour. C'est lui aussi qui me remet pleinement mes péchés, ainsi qu'à tous les croyants. C'est lui qui, au dernier jour, me ressuscitera avec tous les morts et me donnera la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce que je crois fermement. Amen. Alors aujourd'hui, je vous propose un message un peu particulier, enfin surtout une méthode particulière. On est peu nombreux, je l'avais deviné,
Et donc, on peut travailler un petit peu autrement. Donc, on va juste comparer deux textes du Nouveau Testament qui parlent de la même chose, qui semblent se ressembler, mais qui racontent la même chose, mais pas tant que ça. Et c'est ça le boulot du protestant. C'est de lire, de comparer, de mettre côte à côte, de se dire, mais ça veut dire quoi, là ? Pourquoi cette différence ? Quand je dis le boulot du protestant, je veux dire que la marque de fabrique du protestant, c'est de s'attacher très fort à la parole. De lire la parole, de la relire. Et pourquoi pas, on va le voir aussi dans des versions différentes, dans des traductions différentes. C'est très enrichissant. Ce matin, donc, on va étudier ensemble le passage qui raconte la rencontre d'une femme avec Jésus. Et cette femme, elle est nommée, ça commence bien, la Syrophénicienne, selon Marc, soit la Cananéenne, selon Matthieu. Je vous propose de lire l'un et l'autre extrait. Personnellement, j'ai toujours une préférence pour la version Louis II, 1910, même si parfois aussi les mots semblent un peu désuets. Alors, les deux extraits proposés sont vraiment célèbres et semblent quasiment interchangeables. On va voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Je vous fais d'abord la lecture de Matthieu, donc chapitre 15, versets 21 à 28. Le code couleur, je vous l'expliquerai après. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria : Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance : Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Matthieu, donc on continue avec le verset 24, il répondit : Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant : Seigneur, secours-moi. Il répondit : Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Suite de Matthieu. Alors Jésus lui dit : Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Et dans Marc, chapitre 7, on voit donc que ce que j'ai surligné en jaune, c'est ce qui est quasi identique. Jésus, dans les deux histoires racontées par Matthieu et Marc, il vient dans le territoire de Tyr et de Sidon. Mais après, ça se complique un peu. Qui est cette femme qui l'interpelle ? Donc, en couleur verte, côté Matthieu, et voici une femme cananéenne. Et en vert, côté Marc, Marc dit, c'est, à propos de cette femme, c'est une grecque, syrophénicienne d'origine. Et puis, en bleu, chez Matthieu, quelque chose qui n'apparaît pas du tout chez Marc, qui est dit en plus, « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et quand les deux évangélistes parlent de qui peut manger à la table ou sous la table, ça se ressemble. C'est pour ça que j'ai de nouveau mis les deux extraits en jaune. Ça se ressemble, mais les choses ne sont pas dites quand même exactement de la même manière. Chez Matthieu, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Chez Marc, la question est plutôt de qui mange en premier ? Laisse d'abord les enfants se rassasier. Mais Marc, après, il fait la même déclaration que chez Matthieu. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens.
Alors quand on a regardé ces différences flagrantes, grandes différences, des petites nuances, on fait quoi? Parce que à la fin, il faut juste être pratico-pratique. On a besoin de comprendre un texte, là, tout de suite. Alors on se dit qu'il y a dans cette histoire une femme, une question à propos de qui a droit à l'annonce de la bonne nouvelle, c'est la question des petits chiens. Et il y a aussi à se questionner pour savoir qui sont ces enfants, parce que Matthieu et Marc n'utilisent pas le même mot en grec pour parler des enfants. Du coup, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas avec des mots hébreux, mais je vous ferai une petite digression sur deux mots en grec. Alors, j'ai choisi d'explorer avec vous plus précisément ces trois thèmes. La femme, décrite par Matthieu et Marc. Ensuite, l'annonce de l'évangile, pour qui? Et enfin, de quels enfants parle-t-on? Alors, qui est cette femme qui ne craint pas de parler à Jésus, et d'imposer d'ailleurs sa parole? Elle arrive, elle n'était pas invitée. Une païenne, avant d'être une femme. La femme qui interpelle Jésus, elle ne manque pas de qualificatifs. Ça n'est pas parce qu'elle est une femme que Jésus commence par se taire. Non, c'est son origine qui la place dans le camp des ennemis des fils d'Israël, à tout point de vue. L'évangile de Marc nous la présente comme Hélénis. Hélénis, ça veut dire grec, et un mot grec qui veut dire syrophénicienne. Les termes ne sont d'ailleurs pas synonymes. Hélénis, ça veut dire grec, dans la Louis II 1910. La Nouvelle Bible Second, c'est pour ça que j'ai dit que c'était aussi intéressant de regarder le même texte dans d'autres traductions. La Nouvelle Bible Second, elle parle aussi d'une femme grecque, mais elle dit grecque au sens très général de non-juive. Non-juif, c'est aussi le mot qui est repris par la traduction Second 21. Cette femme, c'était donc une non-juive d'origine syrophénicienne. Donc vous voyez trois traductions et trois mots différents utilisés en français. La Louis II 1910, c'est une grecque. La Nouvelle Bible Second dit que c'est une grecque au sens que c'est une non-juive. Et j'ai même regardé côté de la Tob. La Tob dit littéralement que c'est une païenne. Ça veut dire qu'elle est grecque, c'est-à-dire païenne. Cependant, cette non-juive, cette païenne, elle va finalement se montrer plus près de Dieu, du Dieu d'Israël que son peuple lui-même. On le sait, Ésaïe rapportait les paroles du Seigneur qui disait dans le chapitre 29 d'Ésaïe « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Alors en effet, déjà, Ésaïe critiquait les rites, seulement les rites qui nous éloignent du Seigneur, parce qu'on est dans le pratico-pratique et pas dans l'amour, pas dans la foi. Et c'est là justement que cette femme dite païenne, non-juive, grecque, syrophénicienne, elle va provoquer une réponse de Jésus. Cette femme d'origine syrophénicienne, elle se prend quand même un mot très méprisant à la figure. Déjà, syrophénicien, c'était un mot pas gentil qu'utilisaient les Romains pour parler des habitants du Proche-Orient. Matthieu, il la décrit comme cananéenne, et vous savez bien, les cananéens, c'était les ennemis des enfants d'Israël, dont la fréquentation était durement réglementée. Pas question de se marier avec une cananéenne. C'est marqué dans la Genèse. Et on avait fait exprès de ne pas, comment dire, vider Canaan de tous ses habitants pour maintenir comme une tentation. On a laissé des femmes cananéennes dans le pays de Canaan, le pays promis, pour voir si les fils d'Israël seraient capables d'y résister et de respecter le commandement d'Isaac de ne pas s'unir à une fille de ce pays. Donc trois mots pour définir cette femme: cananéenne, grecque, syrophénicienne.
J'ai envie de dire, pour la pointe d'humour, à part communiste, elle a rien pour elle. Mais ces mots ont suffi à démontrer le gouffre culturel et religieux qui devait séparer Jésus de cette femme qui l'interpelle. Et pourtant, cette femme païenne, elle le nomme « Seigneur, fils de David ». Aujourd'hui, à 2000 ans de distance, car j'aime toujours à rappeler que la Bible, elle dit aussi des choses très actuelles, nous aussi on définit les gens pour les maintenir à distance, ou pour dire en creux le peu de bien qu'on pense d'eux. Par exemple, en ce moment, ce sont les migrants. Avant, on disait réfugiés. Peut-être parce que le mot réfugié dit qu'on va, enfin, donne l'idée qu'on va aider. Mais un migrant, il migre, il bouge, il change de pays, il doit changer de pays. Il se noie aussi en Méditerranée. Que dit-on encore pour laisser les gens à distance? Il y a plein d'expressions, je vous laisse réfléchir, moi-même j'ai plein d'étiquettes que je mets à des gens. Alors comment le dialogue va-t-il être possible quand on met ces étiquettes-là? Est-ce que Jésus peut parler à une femme qui a ces trois étiquettes, cananéenne, grecque, syrophénicienne? Donc une entrée en dialogue difficile. On est d'ailleurs précipité dedans. On entend l'échange. Alors c'est dans l'extrait de Marc qu'on peut avoir une éventuelle explication de pourquoi Jésus ne répond pas tout de suite. En fait, Jésus, au verset 24, il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. En fait, il voulait être là incognito et ça n'a pas marché, cette femme l'a su. Cette femme qui crie, ça irrite aussi les disciples. Ils disent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous ». Alors cette femme, elle fait quelque chose de fantastique. Elle se prosterne et elle supplie. Et elle ne parle plus de sa fille, tourmentée par un démon. Elle appelle au secours pour elle. « Secours-moi ». Alors Jésus lui répond avec... comme deux versions. Il répondit, donc verset 24, « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Cette femme, elle n'est pas de la maison d'Israël, c'est une grecque, une cananéenne, comme je vous l'ai dit. Donc il n'y a rien pour elle. Et puis Jésus dit encore, au verset 26, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Ça fait quand même des paroles assez dures. Jésus ne serait pas envoyé pour tous? Et puis les autres, c'est des petits chiens? Alors, j'ai eu du mal à me faire à cette idée, à cette réaction de Jésus. Vraiment, franchement, je ne comprenais pas. Je ne savais pas comment en parler aujourd'hui, ici, devant vous. Et quand j'ai des doutes, quand je ne sais pas, je me tourne vers les écrits d'un pasteur protestant qu'un certain nombre d'ici connaissent bien. C'est le pasteur Marc Pernaud, qui avant était à l'Oratoire du Louvre à Paris et qui maintenant officie en Suisse, je crois, à Genève. Je suis donc allé voir ce que disait Marc Pernaud et je lui ai d'ailleurs écrit pour lui dire je vais certainement me servir de ce que vous avez compris. Et il m'a dit que je n'étais pas du tout obligé de le citer. Je lui ai dit bien sûr que si, je vous citerai. Alors, pour Marc Pernaud aussi, il y a comme une stupéfaction. Il dit « Jésus traiterait cette femme de chienne, de sous-humaine, de même pas humaine, parce que quoi? Païenne? Étrangère? Femme? C'est absolument impossible de la part de Jésus, dit Marc Pernaud. » Et moi, je continue en disant « ça ne donne pas envie, effectivement, de rester auprès de quelqu'un qui vous traite de petit chien. » On a même envie un peu, peut-être, de répondre de manière vigoureuse. Mais cette femme, elle est désespérée. Peut-être cette phrase difficile qu'elle vient d'entendre va la faire réfléchir, réagir, la pousser au-delà de ses limites. Et elle va demander alors du secours pour elle-même. Marc Pernaud, par rapport à ce mot très difficile de « petit chien », dit qu'il est presque impossible de penser que Jésus qualifie certains types d'individus de chiens et d'autres d'enfants de Dieu.
et que pour lui, enfant et petit chien, c'est la même dimension d'un individu. Et moi-même, alors je continue, l'enfant libre, l'enfant de Dieu. Et puis le petit chien, j'ai envie de dire, celui qui fait des bêtises, enfin, qui a des symptômes, qui a des difficultés. Et le Seigneur, il travaille sur notre identité plutôt que sur nos difficultés. C'est ce que je crois une des significations possibles de ce très beau verset de Matthieu qu'on trouve au chapitre 6, versets 31 à 33. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, comparé au petit chien, quand même, comment va réagir la femme? Parce que cette femme, elle a droit au pain aussi. Alors, le pain, c'est symbolique, évidemment. Donner le pain, c'est accueillir, c'est offrir l'âme, c'est nourrir l'âme. Si on cherche un peu plus avant dans l'évangile de Matthieu, on comprend un peu pourquoi Jésus a l'air d'avoir ces paroles dures par rapport à cette femme non juive. C'est au chapitre 10, il disait à ses disciples, « N'allez pas chez les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Chez Marc, l'interdit d'être à table est un peu différent. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Chez Marc, il y a une possibilité. Les païens peuvent aussi avoir part à la table, mais les juifs y sont premiers. Alors que chez Matthieu, c'est vraiment l'idée d'une exclusivité ethnique. Seulement les brebis perdues d'Israël. L'assimilation aux petits chiens, ça a du mal à passer, parce que c'est vraiment méchant. Jésus en colère et qui chasse les marchands du temple, là ça nous va très bien. On jubile d'ailleurs. On accepte qu'il soit en colère à ce moment-là, qu'il soit dur, parce qu'il est mis en face de protagonistes qui ont une piètre réputation. Non, on ne transforme pas la maison de Dieu en maison de voleurs. Mais Jésus, qui se montre méprisant face à une femme étrangère, en détresse du fait de la maladie de sa fille, on a du mal. On n'aime pas lire ça, et pourtant c'est dans la Bible. Pourtant c'est grâce à ce mot, les petits chiens, que le récit va trouver son dénouement. La femme, elle acquiesce. Elle ne se met pas en colère. Elle dit son désespoir total. Elle ne parle plus de son enfant malade, elle parle d'elle-même. « Secours-moi !» Dans le récit, il y a comme un changement de point de vue. On était au-dessus de la table avec les Juifs, premiers, et on passe à en dessous de la table avec les miettes qui tombent pour les autres. On passe du règlement « Il n'est pas bon de, il n'est pas bien de donner du pain » au petit chien, à une situation concrète. S'il y a assez à manger pour tout le monde, peut-être on peut envisager de partager et d'agrandir le cercle des commensaux. On peut avoir une table plus grande où tout le monde est installé confortablement. Elle est fine, cette femme. Avec élégance, cette métaphore du reste des miettes, on nous fait comprendre que l'annonce de la bonne nouvelle n'est pas réservée aux Juifs et qu'il est possible et autorisé de l'annoncer contre toute attente aux païens. Dans les deux extraits qu'on a lus, je reviens encore à ces petits chiens, parce que on peut se dire, petit chien, oui, traiter quelqu'un de chien, c'est une insulte, mais de petit chien, on a l'impression que, bon, rien que le fait de rajouter le mot « petit », ça adoucit un peu la chose. Mais non, les chiens, petits, grands, moyens, chez les Juifs, c'était des animaux impurs. Et donc,
Matthieu s'adresse d'abord aux Juifs et il dit qu'ils sont premiers. Les petits chiens, ça serait en deuxième et sous la table. Le pain, pour Matthieu, c'est celui des... Et là, je suis désolé, j'ai juste utilisé un mot en grec. C'est celui des technons, des enfants en tant qu'ils sont engendrés, mais des êtres un peu abstraits, depuis Abraham jusqu'à l'époque de Jésus. Parce qu'il y a deux mots qui sont utilisés pour désigner l'enfant. Matthieu parle de technon et Marc parle de paidion. Paidion, ça doit plus vous, enfin mieux sonner à vos oreilles parce que paidion, ça a donné pédagogie, pédiatre et toutes ces choses-là. Pour Matthieu, c'est donc un discours en direction des fils d'Israël, les techna, parce que c'est le pluriel du mot technon. Et la femme païenne chez Marc, elle utilise un autre mot pour parler des enfants. Elle dit paidion. Paidion, c'est le petit mot du mot, le diminutif du mot paes qui veut dire enfant. Bon, là encore un enfant. Mais c'est un autre enfant. C'est l'enfant visible, pas le concept. C'est l'enfant qui a faim tout de suite, c'est l'enfant qui saute dans les flaques et qui fait des bêtises. Donc, c'est deux façons de nommer les enfants, c'est aussi deux manières d'annoncer pour qui est la bonne nouvelle. Et le petit enfant, Païs, celui qui joue dans les flaques, eh bien, déjà Jésus, dans Matthieu, verset 19, quand il dit « Laissez les petits enfants venir à moi », il n'utilise pas le mot « techna », il utilise le mot « paidia », c'est-à-dire le petit enfant qui court dans tous les sens, qui est bien visible et qui saute dans les flaques. Donc des petits chiens, oui, peut-être, mais avant tout, des enfants. Finalement, en étudiant les mots et en voyant dans quel contexte ils sont utilisés, on va vers une signification plus profonde de l'analyse, de l'annonce de l'Évangile aux Juifs. On passe à l'annonce destinée aux Grecs, soit aux païens. Ça veut dire une annonce de la bonne nouvelle qui est universelle, qui concerne et qui vaut pour le monde entier. Et nous découvrons aussi avec soulagement et comme une bénédiction, et c'est sur là que je vais terminer, que rien ne peut épuiser le sens de la parole de Dieu. Un Seigneur qui parle à chacun d'entre nous, qui que nous soyons, d'où que nous venions. Et ça, quelle grâce, quelle bénédiction. Amen. Je vous propose de passer au moment de la bénédiction finale. Alors, avant de reprendre notre chemin dans ce monde, nous allons avoir une bénédiction finale en message et en chant. Et sentez-vous libre également de vous lever, si vous le désirez, pour cette bénédiction. Que Dieu notre Père, par sa présence et sa parole, nous accompagne et nous conduise, qu'il nous fortifie et nous donne la paix. À lui seul, soit le règne et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.